Bon, l'équipe, on peut voir, hein. Ça fait tellement longtemps que vous vouliez qu'on teste ce kart, et moi aussi. Donc là, j'ai enfin quelqu'un. J'ai mon père là qui va pouvoir m'aider à le démarrer parce que, comme il tient pas le ralenti ni rien, c'est compliqué. Et il tombe pas super rond, il crache beaucoup et tout. Mais voilà, le mieux c'est de le tester sur la route pour voir. Donc, on va voir déjà si il veut encore démarrer ou pas. Parce qu'il me faudrait une nouvelle bougie aussi. C'est que si je baisse plus le ralenti, il s'éteint. Donc je sais même pas si on m'entend là. Allez, on va tenter. J'espère que je vais survivre. Yeah. C'est parti les amis. Wow. Ah, il est bien plus rapide. Oh merde, j'ai pas de frein. Oh merde, le frein il marche plus. Oh putain, j'ai quasiment pas de frein les amis. Ça c'est dangereux. Bon, heureusement je peux l'éteindre maintenant. Parce que s'il vient à s'emballer, oh, il a la patate, laisse tomber. Ah, j'ai pas de frein. Putain, j'aurais dû repurger le frein. Allez, vas-y, prends un peu là. S'il te plaît, quoi. Jeg har ikke nogen brems. Man kan kun lige tage lidt. Jeg tror, jeg skal lufte lidt ud. Jeg kan ikke stoppe den. Skubber lige baglæns. Og den kan ikke tage fuld fart, man kan godt komme op.
Bah, il peut pas prendre pleine vitesse, mais quand même. Bah, il y a un petit souci de réglage carburateur, mais dans l'ensemble, ça va quand même. C'est vraiment pas mal. Wow, il drift! Wow! Oh, c'était quoi ce bordel? Ah, j'ai drifté, les amis! Ah, j'ai cru que j'avais arraché un truc! Ah, j'ai drifté! Oh, il drift, sa mère! Ah, pour un premier test, c'est plutôt convaincant! On n'a rien perdu. Ah, il n'y a plus de frein, il n'y a pas de frein. Ah, j'ai tripoté le dessous là. Putain, c'est énorme les gars. Bon les amis, comme vous avez pu voir au retour, il est allé super vite, donc j'ai mon appli GPS, parce que j'aimerais, si jamais il arrive à reprendre les tours, parce qu'il a tendance à brouter un petit peu, si jamais il arrive à aller à fond, je vais essayer d'aller à fond encore une fois, et on va voir comment il roule. Donc c'est parti, je vais mettre ça, je vais essayer de le glisser dans la poche sans que ça se coupe. Ça va être là. Yes. Allez, va avec le mec, Abrams. Allez, c'est parti l'équipe. Bon, allez, on va tenter à l'heure à fond. Là, je pense qu'on était au VMAX là. Putain, il marche vraiment bien. Il y a vraiment moyen de se taper des délires avec ça. On va essayer de voir ensemble. 69 km/h. Donc il monte à 70. J'espère que vous le voyez bien là, les amis. km/h, c'est franchement pas mal du tout pour un kart. Ça, franchement, ça fait vite quand on est dedans. Donc je remets le téléphone dans la poche et je pense qu'on va faire je vais le faire tester à mon père quand même. Il va pas vouloir, mais on va insister un peu. J'aimerais bien voir mon papa là-dedans. Allez, c'est parti. Halvfjerds? Og det er jeg godt lov dig, 70, det går stærkt i den her. Har anden holdt op med at ryge? Og så skal den nok have lidt, så skal den nok have lidt igen. Du skal prøve den også. Så skal jeg igen, fordi det der, der var sådan der på lige, og jeg har hældt det ren ovenpå. Så skal den have noget mere to-takt igen. Fordi den har startet meget omgang, jeg kan ikke det små godt, så sætter det sig. Ja. Det kan du faktisk være, det er ikke vel.
conscience. T'as l'air rien chaud. Bah voilà l'équipe, c'était le petit test, c'était pas quelque chose de prévu, de machin. C'est vraiment mon père, il est passé avec sa moto et on s'est dit bah c'est maintenant ou jamais pour l'essayer ce kart. Je me suis régalé, mon père, il a pas arrêté de rigoler après, il avait un sourire à l'estomac. Donc j'espère que vous avez autant kiffé que nous, voilà. Donc ça sera pas du tout la dernière vidéo, comme vous avez pu voir, il manque tout le capotage, toute la carrosserie. Donc il va y avoir une nouvelle vidéo dessus. Et j'ai dit que je la sortirai aux 20 000 abonnés. Donc j'espère qu'on y sera bientôt. Voilà, si vous avez kiffé comme nous on a kiffé, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire qui fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!